Salut tout le monde, c'est MarioD93 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario et Luigi Superstar Saga. Là comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les touches. Parce que je pense que ça gâche le screen. Waouh, cette pierre est très rare, c'est une roche. Oh oh oh. Vous ne pouvez pas la prendre comme ça, ça serait du vol. Ça, ce serait du coup. Quoi? Mon nom? Je m'appelle Psuranodon. Hein? Tu dis que tout le monde au village s'inquiète pour moi? Je suis désolé. En suivant le prince, c'est vrai que je suis venu d'ici. Ah, le fameux prince Eric. Et j'ai été très étonné en découvrant un si grand œuf. Depuis lors, je le couvre sans cesse. L'œuf devrait éclore très bientôt. Et voilà, il éclore. Oh, ça y est, il est en train d'éclore. Regardez son sourire maléfique. Gouga! Genre, je savais pas que les dragons faisaient Gouga. Ah, quel choc! Cet œuf est très spécial. Waouh! Quelle force! Ça doit être ce dragon qui a enlevé Panzarik. Attendez, on n'entend pas bien. Hop là. Tiens, prends ça mon frère. Merci petit frère, tu es le meilleur des petits frères. Ah non, ils sont pés. Ok. Gros chiroc. Je sais pas si ça peut être gros chiroc. Oh là là, c'est encore plus dur. Voilà. Non, pas, c'était pas sur ça que je voulais. C'était sur Rigorock. On dit qu'il attaque de plus en plus vite. Je sais pas. J'allais encore appuyer sur Rigocardo, un truc comme ça. Oh là là, il a retrouvé sa taille normale. Oh là, j'ai... Ah mais c'est... Ça va, on peut pas appuyer sur fuir sur la... Déjà ? Non, la moustache. C'est ça qui fait augmenter les dégâts. Attaque C'est rapide. Oh là là. C'est Prince Eric, ça. En anglais, c'est Prince Peasley. Ouais. Félicitations, les moustachus. Quelle surprise, Prince Eric. Est-ce bien vous? Que vous est-il arrivé? Oh, on peut dire que je suis arrivé là par accident. Au cours d'une mission secrète dans ce pays, j'ai rencontré par hasard Greg et Mona et Graconis, son disciple. Lorsque je les ai reconnus, il était déjà trop tard. Ils m'ont enfermé dans cette pierre et je suis resté dans cet état. Ma chevelure. Hé, la voix de Princesse Peach a été volée, n'est-ce pas? Rassurez-vous, je suis sûr que tout va s'arranger. En tout cas, l'important est d'attraper Greg et Mona. Redescendez la montagne pour rencontrer la reine Vigilia. La prochaine cible de Dragimona doit être le château de Végésia. Acceptez ce cadeau, il porte ma signature. Ok, donc. Et pourquoi pas Mario? Cette rouge va très bien avec le vert. Ah, ok, j'ai compris. Si vous montrez cette rose, vous pourrez entrer dans le château. Je dois repartir en mission immédiatement. Alors à bientôt, les moustachus.
Il est amoureux de Luigi en Eurésie. Mais si je sais que c'est un mâle. Parce qu'un haricot c'est un mâle. Oh. Ah oui, c'est vrai, on peut sauter. Ah, du coup, on est arrivé là. Ok. C'est bon, le petit uranodon est là. Ok. Du coup, il veut nous faire des marteaux alors. Il veut nous faire des marteaux. Tiens, c'est vous. Vous tombez bien. Tout à l'heure, un bloc ohoho est tombé du haut de la chute. Nous allons tout de suite vous faire un marteau exceptionnel avec l'ohoho. Oh, pouvoir à nouveau faire des marteaux après tant de temps nous rend tout fébrile. Nous sommes si excités que nous avons finalement fait deux marteaux. Ces marteaux vous apporteront une très grande puissance. Vous pouvez donc prendre ces marteaux. Ok, ça commence. Vous obtenez les marteaux. On peut utiliser le marteau au solo. Je vais d'abord vous apprendre comment utiliser le marteau. D'abord sélectionner le marteau avec le bouton R. Ensuite, appuyez sur le bouton A pour frapper. Voilà, c'est tout. Mais pour le moment, seule la personne à l'avant peut utiliser le marteau. L'action menée par celui à l'avant avec le bouton A et appeler l'action en solo. L'attaque menée avec celui à l'arrière avec le bouton B et appeler action double. Ce sont les actions de base. Attenez-les bien. Essayez de frapper sur différentes choses avec le marteau. Essayez de trouver une rose très dure. Vous devrez essayer de briser les roses qui se trouvent à côté avec ça. Et voilà, comme ça, Luigi a une capacité et Mario a une capacité. J'ai raté. Voilà. Oh, noisette. Voilà, on est parti. Hop là. Yes. On est trop fort, Luigi, ça va. Donc voilà, on est parti pour aller dans une nouvelle ville. Ok. On dirait qu'on peut pas. Et puis Mario, tu le casses. Il peut redevenir chou en fait, hein, parce que j'ai vu, il va redevenir chou. Ok, rien, non. Non plus. Ah ah, il y a des choses. Ah ok, on peut pas. Donc on va aller là, hein, dans cette grotte. Oh non. Voilà. Niveau 7 Mario et niveau 6 Luigi. Bon, ouf, descendre. Ah, c'est pour ça que Luigi a... C'est pour ça qu'il y a que Luigi qui avait évolué. Parce que Luigi était... Non, parce que Mario était niveau 7 déjà. Oh, 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 ça fait bien longtemps que nous n'avons pas reçu de visite. Bon, bien sûr, je fais semblant de tousser. Hein. Vous pouvez grimper dans ces vieux wagonnets si vous le voulez. Une personne ne sait jusqu'où vous serez. Par contre, je sais qu'il y a des pièces à l'intérieur que vous pouvez attraper si vous souhaitez. Pensez à utiliser votre lampe pour voir si un danger approche. Oh, oh. Mais vous pensez sûrement que je suis en train de radoter. Bon, voulez-vous monter dedans? Oui, je sais que...
Ok, radoter, c'est répéter la même chose. Hein. Ok, papier sans gloire. Oh là là, Luigi, t'avances vite. Ok, ça c'est pour moi. Rouge, c'est pour Mario. Et vert, c'est pour Luigi. Ok. C'est bon, j'ai tout appris. Oh, Luigi avance vite. Ok. J'allais failli le rater. J'étais en train de faire n'importe quoi. Oh, il n'y avait rien. Oh, j'ai pas vu. Il y avait trop de trucs à faire. Hop là. J'ai peur de rater encore une chose. Voilà, qu'est-ce que je disais? Je vois rien. 11, 12, 13. Ah, il en faut 10. J'allais pleurer s'il en fallait. Ici, il en fallait. Ok. De retour, les rails de ma vie se terminent ici, mais votre aventure ne fait que commencer. Bonne chance. Merci. Ah, j'ai pas besoin de sauvegarder en fait. Ou fin des rails. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter ici, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.